Bonjour. Ceci est le quatrième épisode de la série de vidéos sur l'histoire de la France pendant l'époque victorienne. Dans les épisodes précédents, nous avions vu que la France se dirigeait lentement mais sûrement vers un système de politique libérale, avec le vote pour tous les citoyens, les femmes n'étant pas comptées comme des citoyens. Nous avions pu voir l'expansion française en Afrique via le contrôle de certaines révoltes. Enfin, nous avions assisté à une deuxième défaite des Anglais contre la France. Comme le dit l'adage, jamais 203. Dans cet épisode, nous verrons que la France tente un rapprochement avec les États-Unis d'Amérique en les soutenant face à une guerre de sécession. Nous comprendrons comment le Royaume de France a réussi à mettre en place la République française avec le déclin de la monarchie. Nous ferons un aparté sur le conflit franco-espagnolo-néerlando-socoto-bornou. Enfin, nous verrons le troisième conflit franco-britannique, celui qui aura le plus gros impact pour les Anglais après celui de 1914, que nous détaillerons dans quelques épisodes. Ce troisième conflit commença le 24 janvier 1860, quand les Anglais ont soutenu le Foutatoro. Cette guerre fut longue, elle dura un peu plus de 3 ans, ce qui aura de terribles répercussions pour la Grande-Bretagne. La France en a marre et souhaite régler le problème Grande-Bretagne une bonne fois pour toutes, en les reléguant à un rang de puissance inférieure. Ainsi, les objectifs de guerre ont été drastiques pour les Anglais. Ils perdent l'Irlande qui sera libérée, la France récupère la Gambie, l'Afrique du Sud passe sous domination française, et les Anglais concèdent les traditionnelles réparations de guerre. Un bilan extrêmement lourd, la Grande-Bretagne ne possède plus que l'Angleterre et l'Écosse, le roi annonça la couleur en cas d'un autre conflit avec les Anglais, la prochaine fois, si vous venez nous embêter, on libère l'Écosse. Les Anglais en moins, il ne reste plus beaucoup de concurrents pour coloniser l'Afrique. On peut y voir quelques territoires portugais, mais ils n'ont pas la technologie nécessaire pour coloniser les territoires facilement. Les Pays-Bas et le Danemark sont également présents, mais ils ont vite arrêté par manque de moyens. La Russie possède un petit territoire, mais ils n'ont pas de frontières avec la France et ont arrêté la colonisation, donc ce n'est pas une source de conflit actuel. Enfin, quelques îles appartiennent à l'Espagne. Oui, ils s'en sont rendus compte par hasard, tellement il y en a peu. La France vient en Afrique, mais l'Afrique vient aussi en France. De nombreux épisodes de migration ont lieu grâce aux lois mises en place précédemment. On prendra comme exemple les Swahili en juin 1863, qui ont décidé de migrer en Normandie. Ces derniers sont fort sympathiques, mais ont un tabou difficile quand on habite en France, celui du vin et des spiritueux. Si vous ne buvez pas de vin ni de calva, vous allez être vraiment triste en Normandie, déclara le duc de Normandie en accueillant les nouveaux arrivants. Dans les années qui suivirent, la France, principalement soutenue par le parti de l'élite intellectuelle, des syndicats de travailleurs et de la petite bourgeoisie, fit passer la loi sur les droits de réunion. Les répercussions sont immédiates, la France devient un pays où la recherche n'est pas entravée par la tradition, ce qui accélère grandement les découvertes. Une idée de pensée qui sera largement propagée aux États-Unis d'Amérique, car ces derniers font appel à la France le 24 novembre 1864 pour les aider contre une sécession face au soulèvement capitaliste américain. C'est une occasion en or, les armées françaises s'ennuyaient sans les Anglais pour jouer avec eux, et la France recherche des alliés. C'est avec joie que 200 000 soldats français traversent l'Atlantique pour aider l'Ouest américain. Le conflit se terminera le 4 avril 1866 par la victoire des États-Unis d'Amérique, soutenue par la France. Maintenant, on se pose la question de que faire. La France est la première puissance mondiale, de loin, et contrôle déjà presque un tiers de l'Afrique. Quand les Français s'ennuient, ils veulent faire passer des lois, faire une révolution, voire les deux. Une troisième tentative pour la République française échouera ainsi en 1867, passant une nouvelle fois à côté d'une révolution des riches et de l'Église. Mais le peuple en a marre. En 1870, la loi est de nouveau proposée. Cette fois, le peuple ne veut plus se faire contrôler par de riches monarques incompétents, mais souhaite se faire contrôler par de riches capitalistes incompétents. Suite à de nombreuses manigances, le roi est mis en état d'arrestation par le gouvernement radical. L'issue est un verdict de culpabilité, et le roi est exécuté publiquement. Le peuple scande « Coupable, vive la République, vive la France !» Rien de tel qu'un régicide pour entrer sur le chemin de la liberté. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Suite à cet acte, les riches et l'Église sont apeurés et prennent déjà les armes.
Le gouvernement nouvellement élu, du parti radical avec le président Camille Hillier, des élites intellectuelles, a une idée. Il fait croire qu'ils veulent remettre en place une monarchie avec quelques différences. Ainsi, la proposition de loi de la rétablissement de la monarchie est proposée. Cette proposition est volontairement ralentie. Le but du gouvernement en place est faire en sorte que cette loi ne passe pas. L'objectif est de calmer les esprits du parti bonapartiste et de la petite bourgeoisie. Cela fonctionnera d'ailleurs parfaitement bien, car en à peine un an, tout le monde aura oublié cette histoire. Pendant ce temps, la colonisation de l'Afrique a continué, la carte gagne en bleu, les Britanniques voient cela d'un mauvais œil et décident d'armer les indigènes, mais appauvris par leurs trois guerres contre la France, ils ne purent envoyer aux rebelles que quelques bâtons et des frondes. La jeune République française doit maintenant faire ses preuves et faire taire une bonne fois pour toutes les monarchistes. Pour cela, elle décide de faire ce que le roi n'avait jamais osé faire, s'attaquer au Sokoto. Il s'agit d'un pays puissant au centre de l'Afrique, possédant une forte armée et un vaste territoire. Les enfants de la République sont mobilisés. Le but est d'apporter aux habitants du Sokoto la liberté par la conquête, la guerre et la soumission. Une missive est envoyée en français au Sokoto, leur demandant de se soumettre. Mais aucune réponse ne fut jamais renvoyée. Apparemment, au Sokoto, ils parlaient espagnol, car le roi d'Espagne les soutena contre la France, soutenu par le Pays-Bas et le Borno. D'une pierre trois coups, la jeune République française fantochisera le Sokoto, récupérera les territoires néerlandais en Afrique, les chassant du continent. Enfin, la France tapera sur un autre pays royaliste que l'Angleterre, comme quoi tout est possible. Finalement, les territoires du Cameroun méridional espagnol sont demandés comme réparation de guerre, et la Catalogne, une province majeure espagnole, est libérée. La République française a montré au monde sa puissance. Elle doit maintenant faire profil bas, car si elle continue ses conquêtes, elle risque de se mettre tous les pays du monde à dos. Comme nous l'avons vu, une France en paix est une France qui réfléchit et passe des lois. C'est tout naturellement qu'une nouvelle mode crée un nouveau mouvement, celui des suffragettes, que nous verrons dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, nous verrons que la France lancera de grands projets d'expédition un peu partout dans le monde. Nous détaillerons un premier conflit mondial opposant la France et son allié brésilien contre la Tripolitaine, l'Empire ottoman, la Russie et l'Égypte. Une guerre difficile, en nette infériorité numérique, mais je ne vous en dis pas plus. Puis nous regarderons comment la France gérera son économie d'une main de maître, à tel point qu'une simple région française produisait autant de PIB que l'ensemble du Royaume-Uni. Enfin, nous comprendrons pourquoi la France arrêta de vouloir se faire bien voir des autres pays, après la trahison des États-Unis d'Amérique et du Brésil, ouvrant la voie à une ère de conquête agressive. Je vous remercie d'avoir suivi cette instruction. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons vendredi prochain à 15h pour le prochain épisode.